Cher Thaï respecté, cher Sangha, aujourd'hui, c'est le 11 novembre 2018. On est dans la salle de méditation de la pleine lune, ou à Mounouvo, dans le temple de la bonté aimante, pendant la retraite des pluies. Et il y a un sujet intéressant aujourd'hui. L'amour véritable. Donc on m'a demandé de partager au sujet du 14e entraînement à la pleine conscience. On est en train d'étudier les 14 entraînements à la pleine conscience pendant cette retraite des pluies. On sait que l'ordre des entraînements n'est pas important, mais ce qui est important, c'est la façon dont on les pratique dans notre vie. C'est ça qui est important. Et je n'étais pas là à la réunion où on m'a demandé de partager sur cet entraînement. Alors, j'ai essayé de regarder profondément pour voir ce que mes frères et sœurs ont à l'esprit. Et ce que j'ai à partager sur ce sujet de l'amour véritable. Thaï nous enseigne que les 14 entraînements de l'ordre de l'intérêt-être sont vraiment l'essence de l'ordre de l'intérêt-être. Ils sont la torche qui éclaire notre chemin, le bateau qui nous porte, le maître qui nous guide. Ils nous permettent de toucher la nature d'intérêt-être dans toutes les choses. Et il nous aide à voir que notre bonheur n'est pas séparé du bonheur des autres. De voir que notre bonheur n'est pas séparé du bonheur des autres. L'intérêt-être n'est pas une théorie, c'est une réalité dont on peut faire l'expérience directe, chacun d'entre nous, à chaque moment de notre vie quotidienne. Les 14 entraînements de l'intérêt-être nous aident à cultiver la concentration et la vision profonde qui nous libère de la peur et de l'illusion d'un soi séparé. Pendant cette retraite des pluies, on a étudié comment lâcher prise de nos opinions, de nos façons de voir les choses. Thaï a introduit ces entraînements au milieu de la guerre entre l'Amérique et le Vietnam, au moment où l'idéologie communiste et capitaliste s'affrontaient. Le capitalisme étant une sorte d'anticommunisme et ses théories diviser les familles, séparer les frères entre eux, séparer la sangha, diviser la sangha. Et Thaï et Sir Sean Kong ont profondément souffert de cet attachement aux opinions qu'ils ont vues autour d'eux. Et ils se sont demandé comment s'entraîner de façon à ne pas être attrapé, pris dans des idées qui nous séparent de nos amis, proches, de nos familles. Ce n'était pas seulement une question de s'asseoir, se dire « Ah oui, je vois, il y a des bonnes choses dans le communisme. Je n'aime pas vraiment les communistes. » Enfin, ce n'était pas ça. C'était vraiment une question de vie ou de mort.
de quel côté on est. Et ce n'est pas quelque chose à quoi on est habitué dans notre façon de vivre ici, au village des pruniers, et dans notre vie moderne ici. On sent qu'on peut partager nos idées exactement comme on les ressent, telles qu'elles sont dans notre cœur. Les premiers entraînements concernent nos opinions et la façon dont on peut lâcher prise de nos opinions. Les suivants parlent de la consommation, la façon dont on peut nourrir notre corps et notre esprit. Donc la nourriture comestible, les aliments sensoriels, notre volition, notre conscience, la façon dont nous allons nous continuer dans notre futur. Beaucoup d'entraînement concerne la façon dont on se nourrit à travers nos organes d'essence. Il s'est trompé en montrant son nez, il a dit autre chose. Nous sommes ce que nous ce que nous consommons, ce que nous mangeons. Aussi bien en termes d'aliments comestibles qu'en termes de nourriture sensorielle et de la façon dont nous dirigeons notre esprit en termes de conscience. Et aujourd'hui, nous allons regarder un sujet délicat mais très puissant qui est celui de l'énergie qui nous a amenés ici depuis des millions d'années. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut traiter légèrement et que l'on peut traiter vite fait. Parfois, on appelle cela l'énergie sexuelle. C'est l'énergie de reproduction. C'est une force vitale. Et quelle que soit la façon dont on veut l'appeler, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, qui nous pousse à nous poursuivre dans le futur, pas seulement dans ce corps même, mais à travers des générations successives. Dans les générations futures. Donc le 14e entraînement à la pleine conscience nous invite à regarder profondément dans ce domaine de l'énergie sexuelle. Et donc je vais commencer par lire les entraînements. Et on va regarder à l'intérieur. Donc, 14e entraînement, amour véritable. Il y a deux parties, une partie pour les membres laïcs et une pour les membres monastiques. Les 14 entraînements à la pleine conscience sont une des racines qu'on appelle aussi des préceptes de Bodhisattva dans d'autres traditions qui sont très populaires en Asie. Et ces préceptes sont donc pour les Bodhisattvas et qui peuvent être aussi bien laïques que monastiques. Et donc c'est vraiment l'inspiration de ces entraînements sont ces préceptes de Bodhisattva. Et Thay, les amis, au goût du jour, les a adaptés à notre époque moderne. Alors, cet entraînement en particulier a deux parties différentes, l'une pour les membres laïcs et l'autre pour les monastiques. Donc, pour les laïcs, conscients que le désir sexuel n'est pas l'amour et que les relations sexuelles motivées par l'avidité ne peuvent pas dissiper les sentiments de solitude, mais qu'elles engendrent encore plus de souffrance, de frustration et de solitude. Nous sommes déterminés à ne pas avoir de rapport sexuel sans compréhension et amour mutuel, sans engagement profond, durable et connu de nos proches. Sachant que le corps et l'esprit vont à l'unisson,
Nous nous engageons à apprendre les moyens appropriés pour prendre soin de notre énergie sexuelle et à cultiver la bonté aimante, la compassion, la joie et la non-discrimination pour notre propre bonheur et pour celui des autres. Nous devons être conscients de la souffrance qui pourrait être provoquée dans le futur par nos relations sexuelles. Nous savons que pour préserver notre bonheur et celui des autres, nous devons respecter nos engagements ainsi que les droits et engagements d'autrui. Nous ferons tout notre possible pour protéger les enfants des abus sexuels et pour empêcher les couples et les familles de se briser à cause de comportements sexuels irresponsables. Nous traiterons notre corps avec compassion et respect. Nous sommes déterminés à regarder profondément les quatre sortes d'aliments et à apprendre les moyens de préserver et de canaliser nos énergies vitales, sexe, respiration et esprit pour réaliser notre idéal de Bodhisattva. Avant de contribuer à l'apparition de nouvelles vies, nous serons pleinement conscients de notre responsabilité et nous méditerons sur leur futur environnement. Et pour les monastiques, conscients que l'aspiration profonde d'un moine ou d'une moniale peut seulement se réaliser lorsqu'il ou elle abandonne complètement les liens charnels, nous nous engageons à pratiquer la chasteté et à aider les autres à se protéger. Nous savons que les sentiments de solitude et de souffrance ne peuvent se dissiper par un rapport sexuel, mais plutôt par la pratique de la bonté aimante, de la compassion, de la joie et de la non-discrimination. Nous sommes conscients qu'un rapport sexuel détruirait notre vie monastique, nous empêcherait de réaliser notre idéal de service des êtres vivants et nuirait à la vie d'autrui. Nous apprendrons les moyens appropriés de prendre soin de notre énergie sexuelle. Nous sommes déterminés à ne pas opprimer notre corps, à ne pas le maltraiter ou le considérer comme un instrument, mais à prendre soin de lui avec compassion et respect. Nous sommes déterminés à regarder profondément les quatre sortes d'aliments pour préserver et canaliser nos énergies vitales, sexe, respiration et esprit, afin de réaliser notre idéal de Bodhisattva. Donc on va écouter un son de la cloche maintenant. Nous savons que le Bouddha, autant qu'on le sache, le Bouddha a eu une partenaire, il était marié, il a eu un enfant. Quand il était jeune homme, les choses qui considéraient appropriées pour un jeune homme riche de l'époque, avoir accès à un certain nombre de jolies jeunes femmes. Ça faisait partie de son standing dans la société.
Et il a fait l'expérience, pour autant qu'on sache, de relations sexuelles avant et pendant son mariage. Et à un moment, il a pris cette décision très intéressante de quitter sa maison et d'aller dans la forêt. Il a rencontré un moine qui vivait très simplement dans la forêt. Et il a vu une certaine sorte de joie, un certain bonheur qui émanait de ce moine. Et il a réalisé que pour faire l'expérience de cette joie, il fallait qu'il change de vie, qu'il effectue un changement profond. À cette époque, en Inde, quand un homme décidait de changer de vie, ça signifiait aussi ce qu'on appelle la pratique de ce qu'on appelle Brahmacharya, ce qui veut dire vivre avec Brahma, et Brahma une sorte de Dieu ou l'univers tout entier. Et Brahmacharya signifie aussi en particulier pratiquer la chasteté, donc ça voulait dire très clairement et on le sait parce qu'il y a ces quatre façons de vivre en Inde. Les étudiants sont censés vivre de cette façon-là. Et seulement lorsqu'ils ont fini leurs études, ils peuvent commencer à avoir une famille. Donc le Bouddha a suivi son instinct. Je ne suis pas sûre qu'il avait alors une idée très claire de là où ça allait l'amener, mais il a vu qu'il y avait de la souffrance dans sa vie. Et je ne pense pas qu'il pensait que sa souffrance venait seulement du fait qu'il était marié et que ça venait uniquement de son désir sexuel. Mais il a vu que ça jouait un rôle dans sa souffrance et il a voulu comprendre la nature de cette souffrance. Alors je vois que cette histoire n'est pas nécessairement une invitation pour nous à quitter notre maison pour devenir un moine et une moniale, bien que si vous êtes bienvenue de le faire si vous le souhaitez, mais en fait c'est surtout une façon de regarder, de se rendre compte qu'il faut regarder profondément cette énergie qui est à l'intérieur de nous, qui nous a été transmise à travers une chaîne ininterrompue qui dure depuis peut-être 2 millions d'années. Et qui se manifeste à travers toutes les cellules de notre corps et qui porte ce besoin de continuer de se reproduire pour qu'il y ait de nouvelles générations. Et il y a beaucoup d'êtres vivants qui ne se sont pas perpétués. And so they are not our ancestors. Et ils ne sont pas nos ancêtres. It's not that every one of our ancestors had a strong sexual desire. Tous nos ancêtres n'avaient pas une énergie sexuelle très forte. Mais ce désir nous a pourtant été transmis à nous. Et c'est pour ça qu'on est là. Sans cela, sans cette attraction entre un homme et une femme, un mâle et une femelle de toute espèce, nous ne serions pas là. Et on ne s'embêterait pas à se réunir de façon à se. Sans ce désir, on n'aurait pas envie de se rencontrer et d'avoir une relation sexuelle pour continuer notre espèce. Donc ça se comprend très bien qu'on ressente cela de façon assez forte, beaucoup d'entre nous, parce que depuis des générations et des générations, cette force, cette énergie a été choisie pour perpétuer l'espèce depuis des générations et des générations. Et dans notre culture,
dans la culture des hommes. Il y a des choses qui se sont perpétuées qui ne sont pas construites sur l'énergie sexuelle. On sait que beaucoup de mariages étaient arrangés en Inde, en Asie, dans beaucoup de pays autrefois. Mais en fait, on peut dire avec certitude que le désir à l'intérieur de nous, le désir de se rencontrer, hommes et femmes, ou même... Enfin, pour l'instant, on parle de la rencontre d'un homme et d'une femme. Donc ce désir a été choisi et il est devenu de plus en plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres sortes d'attractions sexuelles, comme entre deux hommes ou entre deux femmes. Et il apparaît clairement que ça fait aussi partie des différents désirs. Mais le désir de la rencontre entre un homme et une femme a été cultivé parce que quand on regarde profondément avec les yeux du non-soi, on voit que notre corps n'est pas seulement notre corps, mais que nous ne sommes qu'un courant qui continue nos ancêtres. Et si on regarde profondément, on voit qu'il y a certaines choses qui ont évolué. Par exemple, certaines choses ont disparu. Pendant notre d'été, j'adore regarder les enfants grimper aux arbres. Et quand je regarde profondément ce qu'ils font, qu'ils grimpent, avec beaucoup d'aise et parfois ils se balancent en se tenant juste par un bras. Et une fois que mon inquiétude se dissipe, je regarde profondément et je peux voir mes ancêtres, nos ancêtres, qui vivaient aussi dans les arbres, qui dormaient dans les arbres. Comme moi, à cet âge, s'adaptaient très facilement et savaient où mettre le pied, quelle branche attraper, et qui testent si la branche est solide, si elle est sèche, elle risque de casser, si elle est trop fine, elle risque de se briser. Donc toute cette sagesse nous a été transmise dans nos mains, elle est toujours présente dans nos mains. Et le processus selon lequel un embryon se développe est souvent relié à la façon dont nous avons évolué, notre développement. Pour un œil qui n'est pas entraîné, c'est difficile de voir la différence entre un embryon de poulet et un embryon humain. De la même façon, notre évolution peut être regardée à travers l'évolution d'une personne. Quand nous arrivons à l'âge de la puberté, notre corps se développe et d'une certaine façon, nous perdons cette capacité. Et c'est comme notre... Dans l'évolution des hommes, il y a un moment où le climat est devenu plus climat et nous avons quitté les savanes africaines et nous avons dû commencer à chercher à chercher les choses par terre et on a commencé à devoir se tenir debout et tout notre squelette s'est modifié. Et donc, il y a des choses qui ont disparu. Et par exemple, notre capacité à s'accrocher à une branche avec nos pieds, c'est très difficile. Si vous avez déjà essayé de grimper à un arbre seulement avec vos pieds, nos pieds, c'était plus très utile d'avoir cette capacité. Ce qui devenait utile à cette époque-là, c'était de pouvoir courir dans la savane. Donc, si on regarde ce processus impermanent, ce courant d'ancêtres,
on voit qu'il est toujours. Il ne s'agit pas de toujours aller dans le sens de ce qui est mieux, mais c'est de voir ce qui est approprié dans le moment présent. Et donc l'évolution, c'est s'adapter à ce qui est approprié, nécessaire dans le moment présent. Choisir ce qui est adapté au moment présent. Mais en fait, ça prend du temps. Et un temps beaucoup plus important que ce qu'on est capable d'imaginer. Et ici, nous sommes là, au moment présent. Et notre environnement est en train de changer beaucoup plus rapidement que ce qu'on est capable, ce à quoi on est capable de s'adapter. Donc c'est un moment très intéressant. Mais je pense que déjà à l'époque du Bouddha, il avait eu une vision profonde à ce sujet. Il avait déjà compris quelque chose. Il a vu, il s'est dit, on n'est pas tout à fait adapté pour vivre dans ces maisons poussiéreuses. Et il a quitté sa maison. Et il est allé vivre dans la forêt. Et la façon dont on vit, c'est selon l'héritage de nos ancêtres, d'une lignée ancestrale. On utilise notre corps comme laboratoire pour comprendre. Et en fait, le Bouddha a utilisé son corps pour comprendre qui il était vraiment. Une façon de le dire, c'est comment je suis adapté à vivre la vie où je vis. Je vous invite à regarder la vie du Bouddha et son cheminement et la communauté qu'il a construite dans cette lumière, à la lumière de lumière d'une lignée ancestrale et comment trouver notre vraie demeure. Alors écoutons un son de la cloche. Dans la liste des formations mentales, il y en a une qui s'appelle, ce qu'il est en train d'écrire au tableau, Jivi Dendriya. Jiva, ça veut dire la vie, et Dendriya, c'est la faculté. La faculté de vivre. C'est d'une certaine façon la force vitale qui nous pousse à avoir une continuation dans le futur. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai pris l'énergie sexuelle comme une des comme quelque chose d'important dans ma pratique et je regardais cette énergie dans ma méditation assise. Je savais que je voulais devenir moine, mais après un an d'avoir pris cette décision de devenir moine, la graine de devenir un père, d'avoir une famille, s'est élevée en moi. Et je vivais au temple de Maple Forest, la forêt des érables, dans le Vermont, sur Chanduk était là, et c'était la retraite d'été. Et il y avait quelques sœurs dans une discussion, et j'ai partagé à ce sujet. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais à peu près
26 ans, peut-être. 26 ans. Et peut-être, ça va paraître un peu égoïste, mais jusqu'à ce moment-là, jusque-là, je n'avais pas vraiment pensé à avoir une famille. Hein. Ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas eu de relations sexuelles. Hein. Mais prendre la décision de devenir moine, ça a changé mon esprit. Et au cours de l'année, au cours des années de pratique, j'ai vu ce besoin très fort se lever en moi. Et une grande partie de cela venait du bonheur que j'avais vécu dans ma famille, quand je pouvais aller en vacances, que j'étais à la maison avec mon papa et ma maman, et on allait faire du ski, et c'était des souvenirs heureux de mon enfance. Et c'était un sentiment très chaleureux dans ma poitrine. Et j'ai partagé cela dans une discussion sur le Dharma. Et c'était vraiment guérissant de pouvoir le partager. C'est la première fois que j'en parlais à qui que ce soit. Et une des sœurs, sœur Suzanne, sœur Tokmin, certains l'ont connue, elle a dit quelque chose dont je me suis toujours souvenue et qui m'a profondément affectée. Et sœur Suzanne avait déjà vécu dans une autre communauté avant de venir au village des pruniers. Et dans cette communauté-là, elle avait une famille. Elle n'était pas célibataire. Et ce qu'elle a partagé avec moi, c'est qu'en tant que moine ou moniale, on devient un membre de la famille humaine. Notre amour ne connaît plus de frontières. On n'appartient plus seulement, on ne restreint plus notre amour à seulement la famille de sang. Mais on peut se voir comme le frère, la sœur, le frère, le fils, la fille, dans des autres, dans toutes les situations. Et ce sentiment très fort que j'avais et que je ne pouvais pas séparer de l'énergie sexuelle a pu se dégager. Il n'a pas complètement disparu, mais je me suis rendu compte que j'avais mis une frontière autour de cette émotion, autour de ce désir, et qui était limité par les souvenirs de ma famille, qui était limité par les normes de la société qui n'incluent pas la possibilité de devenir moine ou moniale, du moins pas dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et donc, j'ai pu voir qu'au-delà de ces frontières, il y avait un chemin, le chemin d'éveil. Et ça ne pouvait pas être expliqué facilement à mon entourage. Mais d'un seul coup, je me suis sentie isolée, très seule. Et cette énergie chaleureuse, cette énergie de vie, semblait appartenir à cette idée de famille que j'avais connue en grandissant. Et donc, en écoutant le partage de cette sœur et puis celui d'une autre sœur, je me suis sentie à nouveau complet. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus de limites, plus de frontières. Et cette énergie pouvait se manifester et je n'avais pas besoin de la réprimer. Je n'avais pas besoin de lui donner son épanouissement incomplet. Sans être séparé de ce que j'aimais, mais en étant un avec la Sangha,
en étant un avec notre maître, un avec toute la famille humaine, avec tous les êtres vivants. Donc, toucher cette énergie vitale dont on parle dans les entraînements est très important pour comprendre sa nature. Thay parle de trois aspects de cette énergie, donc de l'énergie vitale. On regardera profondément les quatre sortes d'aliments. Donc, on en a parlé il y a quelques semaines, vous vous souvenez, c'est la nourriture comestible, les impressions sensorielles, la volition et la conscience. De façon à préserver et à canaliser notre énergie vitale. Donc, l'énergie vitale, c'est le sexe, l'esprit et la respiration pour la réalisation de notre idéal de Bodhisattva. C'est ainsi que nous apprenons. C'est ainsi que nous apprenons les moyens appropriés de prendre soin de notre énergie sexuelle. La façon dont j'ai pratiqué et dont j'ai appris le Thay pour comprendre cette énergie, c'était en utilisant la conscience de la respiration. Dans la pleine conscience de la respiration, on commence avec par prendre conscience de notre inspiration et de notre expiration. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Et on commence avec le souffle, avec la respiration. La respiration nourrit toutes les cellules de notre corps, elle passe dans notre sang et elle régénère toutes les cellules de notre esprit. Donc, elle nous nourrit. Et il y a une histoire que vous connaissez peut-être. L'espèce qui se reproduit avec beaucoup de succès sur la planète Terre, qui se répand pour se répandre partout. A découvert une façon d'utiliser le carbone. Et sa présence domine à un point qu'elle a complètement changé la composition de l'atmosphère. Et les autres espèces doivent s'adapter à ce nouvel environnement toxique ou mourir. Et un nombre impressionnant d'espèces disparaissent. Et vous savez de quelle espèce on parle ? On a déjà entendu ça, hein. C'est familier. Cette espèce, ça s'appelle la bactérie Cyanobacteria. Est-ce que quelques personnes ont entendu? C'est un Happy Farmer, un membre de la fermeureuse. On l'appelle aussi chloroplaste, cette bactérie. Elle est. C'est l'énergie dans les plantes. 2,4 millions d'années, billions d'années, une petite bactérie. Ressemblant à cette chloroplaste moderne, flottait à la surface des océans. Et elle a développé la capacité de recevoir le carbone. Et donc elle absorbe le carbone et répand l'oxygène. Et ainsi, l'oxygène a pu se répandre dans l'atmosphère. Et parfois, lorsqu'on parle de ça,
On parle de l'oxygénation de l'atmosphère. Avant le développement de cette bactérie, il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas pu survivre. Certaines espèces étaient au fond de l'océan où beaucoup de gaz se répandaient. Et il y avait une certaine forme de vie qui se répandait donc au fond des océans. Et cette bactérie est venue de là et est devenue capable d'absorber l'énergie venant du soleil. Et elle a commencé à répandre l'oxygène et à permettre donc d'autres sources de vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut respirer. Donc tout cet oxygène a été favorable à toutes ces espèces qui ont pu développer la respiration. Donc dans toutes les cellules de notre corps, on peut absorber l'oxygène et on peut. Et s'il n'y avait pas eu ce grand événement, on ne serait pas ici. Donc, selon la façon dont on veut regarder à la situation, cyanobactérie a été un grand destructeur ou bien le plus grand destructeur ou le plus grand créateur. Ça dépend de quel côté on regarde. Donc, cette histoire, je la raconte pour expliquer pourquoi le Bouddha souligne l'importance de la respiration. Chaque respiration nourrit toutes les cellules de notre corps. Et en honorant notre capacité de respirer, on honore aussi toute notre lignée ancestrale. En remontant jusqu'aux bactéries. On suit sa respiration, on suit l'inspiration et l'expiration. Ainsi, on développe la concentration. Un Tai dit souvent que ce marqueur est notre inspiration et ce doigt est notre attention. Avec l'inspiration, on prend conscience et on suit toute l'inspiration et notre doigt suit toute l'inspiration. Et avec l'expiration, c'est pareil, on suit toute l'expiration. Et de temps en temps, notre attention disparaît. On commence à penser à autre chose. Et comme on est des pratiquants, on sourit, on peut ramener notre attention. Et ça, c'est l'entraînement. Suivre l'inspiration du début jusqu'à la fin et suivre l'expiration du début jusqu'à la fin. La concentration n'est pas très compliquée. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour se concentrer. Mais gardez votre pleine conscience dans le temps. Le troisième exercice de pleine conscience nous amène au corps. La conscience de la respiration, ce n'est pas seulement une question d'air qui passe dans notre bouche et dans nos poumons, mais elle va jusqu'au sang et amène la respiration aux cellules. Donc, quand j'inspire, j'ai conscience de mon corps. Quelque chose qui est très détendant quand on écoute les enseignements de notre maître, pendant tout le temps où il parlait, il maintenait la conscience de sa respiration et il était très détendu. La plupart des temps, quand on écoute des gens parler, ils parlent très vite pour transmettre toutes les informations. Mais en fait, Tai était là tranquillement, une heure, deux heures, parfois presque trois heures.
et on pouvait se sentir calme et paisible. Et il nous a entraînés à faire la même chose, de garder la conscience de notre respiration et de notre corps, quoi que nous fassions. Et en faisant cela, on peut détendre notre corps. Quatrième exercice. Détendre, calmer le corps. Donc il a écrit « relaxer ». Il efface et il va écrire « calmer ». Quand votre esprit est absorbé par une émotion comme la colère, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin que la respiration pour comprendre ce qui se passe. La respiration devient plus courte, les muscles se tendent. Et donc si on a conscience de notre respiration, on peut tout de suite voir, notre corps nous le dit. Parfois notre esprit peut dire « Oh moi, non, je ne suis pas en colère ». Mais notre corps sait très bien, la respiration sait très bien. Et c'est pour ça qu'on commence par la conscience du corps. Et une fois qu'on est détendu, quand il n'y a rien qui distrait notre esprit et que notre attention est bien dans notre corps, on devient naturellement calme. Donc cela, c'est vraiment développer la respiration. Donc il y a 16 exercices de respiration consciente. Et dans tous ces exercices, on développe le souffle, l'énergie vitale de la respiration. Mais plus particulièrement, les 4 premiers exercices concernent vraiment la respiration. La section suivante de pratique, d'exercice. Tout le monde a bien noté ça? Mais je pense que vous le savez déjà. Hein. Vous connaissez déjà ces exercices. Donc avec le cinquième exercice, on apprend à générer de la joie. Je me souviens que quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience du corps, des sensations, des phénomènes, quand j'ai découvert les 4 établissements de la pleine conscience, le sutra des 4 établissements de la pleine conscience, j'ai découvert qu'il était possible de générer de la joie à l'intérieur de moi, sans dépendre de quoi que ce soit à l'extérieur. Je n'avais pas besoin d'acheter quelque chose, de regarder un film, et même pas de penser. Du genre d'un souvenir, de temps heureux, ou d'imaginer du bonheur dans le futur, mais qu'en fait, il est possible d'apprendre à toucher la source de la joie à l'intérieur de mon esprit, de mon corps, et lui permettre de se manifester comme un espèce de jaillissement. Et pour moi, ça a été comme une immense liberté. D'un seul coup, je n'étais plus limitée ou liée à des circonstances extérieures. Bon, bien évidemment, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que j'ai appris aussi que je devais faire ça tous les jours. Et en fait, je me suis engagée très rapidement à pratiquer la méditation assise le matin et le soir, avant d'aller me coucher. J'étais assez stricte, mais c'était parce que j'avais touché cette joie. Mais en fait, j'avais
pas besoin de qui que ce soit pour me dire quoi faire. Ce n'est pas un frère qui venait toquer à ma porte pour me dire « lève-toi ». Ce n'était pas mon mentor qui venait me crier dessus parce que je dormais. Mais en fait, je n'avais pas besoin de ça parce que je voulais cultiver cette joie. Et je voulais apprendre comment faire ça. Je voulais apprendre des techniques qui m'aideraient à générer cette joie. Le point suivant, c'est générer le bonheur. La plupart d'entre nous ont déjà appris cela, mais je le partage à nouveau pour que nous puissions creuser des bases, pour pouvoir regarder l'énergie sexuelle. Parce qu'en fait, quand on est capable de générer la joie et le bonheur, ça ne dépend pas du désir sexuel. Et en fait, joie et bonheur qui ne dépendent pas du désir sexuel, c'est le premier pas vers la liberté. De nos jours, il y a des images, des sons auxquels on peut accéder juste en touchant un bouton d'internet, et elles peuvent éveiller des désirs chez nous, des moments où on est fatigué, un peu seul, on cherche une certaine forme de joie, un certain bonheur. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'appuyer sur un bouton et ça y est, on est en contact avec ces images, ces sons. Et même, j'ai entendu parler de certains hommes qui, juste le fait d'allumer leur ordinateur, arrosent des graines de désir sexuel. Le conditionnement est si important qu'ils n'ont même pas besoin de voir des images. Le simple fait d'allumer leur ordinateur éveille ce désir. On va écouter et un son de la cloche. Et je vous invite à regarder à l'intérieur de vous. Parce qu'on va regarder l'énergie sexuelle dans notre propre corps et notre propre esprit. Regardez si vous pouvez regarder profondément et toucher la nature de cette énergie avec vos yeux humains. Est-ce que votre méditation était un succès? Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Tout de suite, je peux être en contact avec cette énergie dans mon corps. Parce que c'est quelque chose que je pratique avec presque chaque minute dans la journée. Et je ne suis pas embarrassée de le dire. C'est quelque chose. Je suis un moine depuis 15 ans. Et je sais 15 ans de vie célibataire. Et il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas. Qui est passé. Chaque jour, j'ai dû regarder dans cette énergie sexuelle dans mon corps. Donc, c'est une méditation très facile pour moi. J'en parle pas vraiment dans un enseignement comme ça, mais. Mais je suis très à l'aise, je me sens très à l'aise parce que je sais que quand je touche cette
graine de désir sexuel et que je l'invite à venir, je sais comment. Je sais aussi comment l'inviter à redescendre. Je sais comment il y a des moments où je suis triste ou seul ou en colère. Et je cherche des moyens de stimuler cette graine de désir sexuel. Mais je sais aussi comment. Je sais que quand cette fièvre passe, mon frère m'a donné la forme donner une métaphore, c'est comme si on avait une fièvre. Il y a la fièvre qui vient et puis la fièvre qui repart. En tant que moine et moinière, on devient habile à, pour pouvoir prendre soin de cette énergie avec soin, sans la réprimer. Et on enlève les. On évite d'arroser cette graine. Et c'est la deuxième partie. Quand on touche la graine de joie et de bonheur, alors on peut être conscient de l'énergie sexuelle, du désir sexuel. Et ce désir a une forme, il a une certaine sensation dans le corps. Quand on apprend à comprendre cette énergie, surtout quand on apprend à toucher le bonheur et la joie sans toucher une joie et un bonheur qui n'est pas teinté par l'énergie sexuelle ou le désir sexuel, cela nous aide à faire grandir notre compréhension de sa nature. Donc on apprend à être un jardinier habile dans le jardin de notre esprit. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment séparer. On ne sait pas ce qui est l'origan ou ce qui est le basilic. Par exemple. Combien de personnes ici ne savent pas qu'est-ce que c'est l'origan? Soyez honnête, merci. Si on ne connaît pas l'origan, on sait, plus de monde peut-être savent à quoi c'est le basilic, puisqu'on en mange dans la pizza, alors c'est facile. Mais l'origan, on le met aussi, mais c'est déjà en poudre. Donc un jardinier sait quoi faire pour planter de l'origan. En fait, on n'a pas besoin de le planter ici, il y en a partout. Dans les fossés. Mais on sait comment planter le basilic. Et on sait aussi comment. On sait aussi faire la différence entre le basilic et puis les mauvaises herbes. Peut-être qu'il y a des herbes dans notre jardin qu'on n'en a pas besoin. On voudrait avoir du basilic plus. Du coup, on revient à ce qu'on a. On parlait au début. Dans notre situation moderne, le corps humain n'est pas vraiment adapté à la situation dans laquelle on se trouve à présent. Donc, quand on va à Leclerc pour faire les courses et on entend les chansons d'amour, et puis on va. Et on se sent très bien. Pourquoi est-ce que je n'achèterais pas ça? Parce que ils font ça de manière très habile, ils savent exactement comment arroser, exactement ce qu'il y a besoin pour arroser le désir sexuel à l'intérieur de nous, pour avoir un sentiment plaisant à l'intérieur de nous. Il y a quelqu'un qui chante dans l'air, qui dit je vais t'aimer pour toujours et toujours et toujours et toujours. Et donc ça touche cette graine à l'intérieur de nous, de notre relation. Du passé et du présent, une sensation qui nous. Et c'est une sensation plaisante et on se sent très bien et du coup, on va acheter plein de choses. Quand j'essaie de pas trop aller chez Leclerc. Et quand on prend la voiture, on voit des panneaux publicitaires ou alors sur l'ordinateur. On n'est pas vraiment adapté.
On n'a pas l'habitude d'être stimulé sexuellement, non-stop comme ça, à travers la journée, de manière si subtile. Et du coup, cette énergie originale qui est là, qui est censée nous aider à continuer dans le futur, elle a été conditionnée par l'environnement. Du coup, je voudrais vous demander, quand vous regardez et que vous êtes conscient de votre énergie sexuelle, est-ce que c'est vraiment cette force vitale, ou est-ce que c'est un panneau publicitaire, une image, une chanson, peut-être une image de la personne que vous aimez, ou est-ce que c'est vraiment la personne? Tu as dit qu'on tombe amoureux d'une personne, on tombe amoureux avec l'image d'une personne. Et quand l'image commence à être un petit peu différente, quand la personne devient différente de l'image qu'on se fait d'elle, et bien, il y a de la souffrance. On a été conditionné par des photos dans les magazines, dans la pornographie, sur Internet. We've narrowed down our search et on, on a déjà to exactly that image of that perfect person. On a déjà une idée de la personne parfaite, et quand on le voit, quand on la voit, on ne peut pas se contrôler. On est complètement sûr. C'est la personne que j'ai attendue. But is it that one? Mais est-ce que c'est vraiment cette personne, ou c'est juste une image dans notre esprit? Et c'est pourquoi c'est ce que le sutra sur la respiration, sur la pleine conscience, peut nous aider. Le septième exercice, c'est les formations mentales. Et ici, moi, je mets le désir sexuel comme une des formations mentales. Et on apprend, du coup, on apprend à comprendre sa nature et on apprend à la calmer. Calmer la nature. Calmer l'énergie sexuelle, le désir sexuel. Il y a beaucoup de manières qu'on peut apprendre, avec lesquelles on peut apprendre de faire cela. Dans l'entraînement à la pleine conscience, on dit we must be aware of future suffering that may be caused by sexual relations. Nous devons être conscients de la souffrance qui pourrait être provoquée dans le futur par nos relations sexuelles. Ce sont des entraînements. Hein. Il n'y a personne qui est obligé de s'entraîner. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Une relation à long terme. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être libre? Oui, bien sûr, on peut être libre. Si vous n'êtes pas amoureux d'une image, et ça c'est un challenge, et je vous challenge de dire que vous n'êtes pas amoureux d'une image de l'autre personne. C'est un challenge. Bonne chance. Quand j'ai pris les 5 entraînements pour la première fois, qui a une phrase similaire, et quand je l'ai lue, la première fois, je ne les ai pas pris, mais je les ai pratiqués. Et j'ai fait une expérience. Parfois, je retombais dans des énergies d'habitude, et j'ai pratiqué de suivre l'inspiration et l'expiration, et de maintenir mon. La pleine conscience pendant toute une relation sexuelle. Pas seulement où c'est vraiment intéressant, mais aussi les moments qui sont moins intéressants, mais qui sont peut-être reliés à cette expérience. Les choses qui vont après, peut-être des jours après, parfois des semaines après, parfois des mois après. Et je peux vous dire que pour un moine, étant un moine pendant 15 jours, même des années plus tard, quand je suis assis pendant la méditation, assis, il y a encore des choses qui reviennent, parce que j'étais amoureux d'une image de l'autre personne. Et il y a des fois où il y a cette image qui revient,
Et le désir ou la comme lust. And I think, oh, it was so lovely. Donc, cette graine de désir ne nous permet pas de voir clairement. Elle nous aveugle. Et en tant que moine monial, on doit reconnaître l'attachement, le désir, et de ne pas l'écrabouiller par terre avec un marteau, mais d'être avec, de l'embrasser, d'être avec, de la tenir. Et c'est la beauté de la transmission que Thay a fait à notre Sangha, parce que beaucoup de monastères bouddhistes, on l'écrabouille, on la coupe. Et on sait que quand on essaie de garder une graine dans la terre, et la plante va simplement grandir à l'intérieur, faire des racines de plus en plus profondes. Avec les bambous, on fait ça, on coupe les bambous, et puis il y a des racines de plus en plus. Et peut-être ça va grandir 10 mètres plus loin. Notre désir sexuel, c'est la même chose. Si on le repousse, ça va trouver d'autres manières de monter. Donc, s'il n'y a pas une circulation saine de notre formation mentale, c'est pas une circulation saine de l'énergie sexuelle. Et Thay nous a entraînés, en tant que frère et sœur de moine monial, d'avoir une relation saine avec notre énergie sexuelle. Et maintenant, on passe à l'esprit. Thay nous a fourni. Des exercices aussi pour cette énergie qu'on appelle l'esprit. On peut peut-être écouter un son de la cloche. Maybe we can listen to the sound of the bell. Donc il écrit à nouveau les énergies vitales, c'est le sexe, le souffle et l'esprit. Donc l'esprit, le mot vient en hébreu de la même racine que le souffle. Et c'est en relation aussi avec notre esprit, cela signifie aussi que notre esprit est lié à notre souffle, à notre respiration. Donc, la prochaine étape des exercices de pleine conscience de la respiration, c'est donc prendre conscience de l'esprit. On est conscient des pensées qui se manifestent. Et quand on regarde profondément dans ces pensées, on voit qu'elles fournissent de la nourriture pour nos formations mentales telles que l'énergie sexuelle, pour ce qu'elle se manifeste. Donc on peut se rendre compte, est-ce qu'on a une image dans notre esprit, et peut-être une image érotique. Si on garde cette image, on peut voir qu'elle arrose le désir sexuel en nous. C'est très simple. C'est simplement qu'en général, on ne la reconnaît pas, on ne fait pas ce pas en arrière pour faire briller la lumière de la pleine conscience dessus. Et c'est ce que ce sutra nous entraîne à faire. On inspire, j'inspire, j'ai conscience de mon esprit et je vois ce qu'il y a aux yeux de mon esprit. Et quand on fait attention à notre esprit, c'est notre
si on fait attention à notre souffle, c'est notre souffle qui devient l'objet de notre attention. La pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. Donc on peut être conscient de notre respiration, on peut être conscient du visage de quelqu'un que l'on trouve très attirant. Et ça peut arroser cette graine de désir sexuel. Et ça peut être, c'est une sorte d'aliment et c'est ce que l'on fait toute la journée. Et quand on arrête de faire ça, quand on change l'objet de notre attention, cette graine n'est plus arrosée. On pense que c'est moi qui fais ça. Je suis celui qui fait ça. Mais en fait, c'est tout un processus de conditions. Les aliments qui arrivent et nos impressions sensorielles, notre volition. Si on cultive la graine d'avoir beaucoup de relations sexuelles, ça devient une réalité. Mais si on cultive la graine de prendre soin de notre corps et de notre esprit et de cultiver les graines de la pleine conscience, c'est ça qui devient la réalité. Donc, quel est l'endroit où on porte notre attention? Qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette de notre esprit? Peut-être c'est ce qui est aussi sur notre ordinateur, ce qui vient sur l'écran. C'est vraiment, cet exercice nous entraîne à avoir conscience de ce qui est présent à notre esprit. Le dixième exercice consiste à réjouir l'esprit. Donc on apprend à amener des pensées, à porter attention à ce qui nous amène de la joie de l'esprit. Donc on descend à la racine. Et on descend, on creuse, on voit vraiment qu'est-ce qui amène de la joie, qu'est-ce qu'on peut amener comme aliment à notre pensée, à notre attention, qui va nourrir la joie et le bonheur. C'est vraiment un entraînement de l'esprit, entraîner l'esprit. On apprend à sublimer cette énergie vitale. Qui se manifeste sous la forme de désir sexuel et on la dirige vers notre respiration, vers notre esprit et à prendre conscience de cette énergie sexuelle sans être emporté par elle, pas être emporté par des images auxquelles nous sommes attachés. Et en réjouissant l'esprit, il s'apaise, il ne cherche plus des choses à l'extérieur de lui-même, il n'est plus emporté par cette musique au supermarché ou par les pubs que l'on peut voir le long de la route. J'ai lu une histoire hier d'un ancien étudiant de Thaï. Comme vous savez, Thaï est à Tu Huy, à Vietnam, et il s'est engagé à retourner là-bas pour le restant de ses jours. Beaucoup de frères et sœurs de notre communauté, en ce moment, on se prépare. À ce que beaucoup de gens s'intéressent à la vie de Thaï brusquement, et donc ils essayent de préparer comment expliquer l'histoire de la vie de Thaï. Et une de nos sœurs qui est en train de faire ça m'a envoyé un lien vers un ami, un étudiant de Thaï qui est Jim Foster et qui a suivi Thaï dans les années 70. Et ils étaient tous les deux, lui et Thaï, en train de marcher près de à San Francisco. Et notre frère nous a dit que cet endroit, c'est un endroit où il y a des sex shops et à Paris, on a des endroits comme ça aussi, n'est-ce pas?
Et en fait, ils se sont trouvés, ils étaient en train de marcher dans San Francisco, ils se sont retrouvés dans cet endroit-là. Et donc, Jim s'est dit, oh mon Dieu, comment je me retrouve là avec Ty? Et il gardait les yeux bien droits et il marchait peut-être un peu plus vite. Et ils se sont retrouvés devant un magasin où il y avait des... Et Ty s'est retourné, il a regardé. Et il y avait des images, des films. Et Ty regardait à ça, regardait ça comme si c'était des feuilles d'automne ou de l'herbe, avec des yeux un peu d'émerveillement, d'étonnement, parce que je pense qu'au Vietnam, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça dans les rues. Et il voyait des images de femmes qui l'invitaient à entrer dans le magasin. Et c'était marqué, seules les personnes de plus de 21 ans ont le droit d'entrer. Et Ty s'est retourné vers Jim et lui a demandé, Jim, est-ce que tu as plus que de 21 ans? Et Jim a dit, non, Ty. Bien évidemment, il avait plus que 21 ans, mais Jim avait une vision profonde. Ty n'était pas en train de... Ce n'était pas une question littérale. Quand un maître zen vous pose une question, il peut y avoir plusieurs couches de signification. Et Ty lui a dit, bien, moi non plus. Ty avait plus de 40 ans, hein, mais voilà. Mais il a répondu, moi non plus, donc on n'a pas besoin d'entrer. Et ils ont continué à marcher. Et j'ai adoré cette histoire parce que notre façon normale de pratiquer, c'est une sorte de déviation spirituelle. On veut juste marcher tout droit et on a peur de regarder. Et on a peur et l'illusion d'un soi séparé. Et à cause de cette peur, pour maintenir cette illusion d'un soi séparé, on ferme notre vision. On regarde juste tout droit. On ne veut pas regarder ce qui se passe sur le côté. Mais Ty s'est arrêté et il a regardé. Ty veut voir ce qui se passe, vraiment. Donc il y a quelqu'un en nous qui veut vraiment savoir ce qui se passe. On ne veut pas s'aveugler. Se cacher les yeux devant la réalité. Il y a des jeunes femmes là-dedans qui sont en train de gagner leur vie avec ces shows sexuels. Et Ty veut regarder ça, veut savoir que ça existe. Et si on est assez solide dans notre pratique, on n'est pas attiré par ces émotions. Et on peut sourire avec des yeux d'étonnement. Et ici, ne pas avoir 21 ans, ça veut dire on maintient notre innocence, notre étonnement. Même si on a souffert dans le passé, même si on a eu plus de 21 ans dans le passé, on peut retourner à cette espèce d'étonnement d'enfant et regarder cet autre être humain, essayer de regarder la situation avec des yeux de compréhension et d'amour et de voir la souffrance qui est là. Donc si on est capable de réjouir notre esprit, si on est assez heureux, on n'est pas entraîné par ces choses. Le 11e exercice consiste à concentrer l'esprit. Donc on apprend à maintenir notre conscience à travers le temps. Donc on revient à cette chose de connecter à l'inspiration et l'expiration. On maintient notre attention tout le temps. Et le plus on s'entraîne de cette façon-là, le plus notre concentration devient stable et solide, le moins on se laisse distraire. Donc même s'il y a des images, et comme quand Ty se retrouvait devant les images de cette femme, il n'était pas entraîné par ces images. Cette image est là pour vous entraîner à payer et à entrer dans le magasin. Cette image est là pour arroser la graine de désir sexuel. Mais
si on est entraîné à maintenir notre concentration, on peut arrêter de le Bouddha disait souvent que ce n'est pas que le Bouddha n'a pas de désir sexuel hein, ou qu'il n'a pas de colère ou de tristesse, mais il ne permet pas à ses émotions de submerger son esprit. Il a pris la décision de les couper. Il peut voir une femme nue, mais cette image ne vient pas toucher la graine de désir sexuel dans sa conscience, parce qu'il ne, il sait que ce n'est pas la vérité, la liberté véritable. Il ne va pas trouver le bonheur véritable dans une relation sexuelle. Le bonheur véritable ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre corps et dans notre esprit, en cultivant la paix, le calme et en cultivant la compréhension de notre esprit, et on n'est plus entraîné par les tentations. Et si nous avons une relation sexuelle, on n'est pas non plus entraîné par l'image que nous avons de l'autre personne avec laquelle nous avons cette relation. On peut regarder cette personne dans les yeux et on peut voir cette personne comme elle est véritablement, et on peut pratiquer cela comme une méditation. Si on est pratiquant laïque, on ne s'engage pas à la chasteté comme les monastiques. Je ne veux pas que vous en alliez en vous disant « il faut que je devienne moine monial tout de suite ». C'est pas ça. Il faut apprendre à prendre soin de ce désir à l'intérieur de nous, de façon à ne pas nous aveugler, à ne pas être aveuglé par le désir. Et vraiment, il s'agit de comprendre l'énergie vitale et comprendre notre esprit. Comprendre ces choses se stimule et stimule des graines dans notre conscience. Le deuxième exercice nous amène à toucher la liberté. Il s'agit de libérer notre esprit. Notre esprit n'est plus esclave, on n'est plus emporté par des images aussi facilement qu'avant. Chers frères et sœurs, merci beaucoup d'être là, d'avoir été là. Merci d'avoir regardé profondément dans cette énergie sexuelle. Je vous encourage à regarder les étapes qui restent dans la pleine conscience de la respiration. Il reste 4 exercices. Abandonner le désir. Il y a des choses très intéressantes, mais on n'a plus de temps maintenant pour le faire ensemble. Vous pouvez regarder par vous-même. Mais je veux encore partager, qu'en tant qu'homme et en tant que moine, j'ai conscience que dans l'histoire de nos ancêtres, nous avons beaucoup de renouveau à faire sur ce sujet. Et entrant dans le 21e siècle, j'espère qu'on va pouvoir le faire ensemble, que nous allons pouvoir apprendre et nous rendre compte de comment nous avons utilisé la peur, la violence, le pouvoir, parce qu'on ne comprenait pas ce que le Bouddha voulait enseigner. On ne savait pas comment mettre les choses en pratique, comment mettre en pratique cette compréhension de l'énergie sexuelle. Donc c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut qu'on apprenne à pratiquer le renouveau, surtout en tant qu'homme. Avec le mouvement MeToo, qui est comme une cloche de pleine conscience, qui nous aide, pas seulement des hommes, mais principalement des hommes, pour que principalement les hommes nous regardions dans ce genre d'entraînement pour transformer le futur, transformer l'avenir,
pour qu'on puisse vivre peut-être pour la première fois en harmonie et en paix avec fraternité et sororité, vivre en paix avec les femmes. J'imagine que c'est ça qu'il est en train de dire. Donc je veux demander aussi votre soutien, parce que deux d'entre nous vont cette semaine à une conférence sur la dignité des enfants dans le monde digital qui se tient dans les Émirats arabes. Thaï a été invité à représenter en tant que leader bouddhiste. Pour regarder profondément la situation d'enfants qui sont abusés pour la pornographie en ligne. Et il y a beaucoup de leaders de traditions religieuses différentes, des musulmans, des chrétiens, des juifs et des bouddhistes. Et Thaï ne va pas y aller en personne, mais deux frères vont y aller et vont soutenir sur ce sujet. Et merci de m'avoir permis de partager sur ce sujet aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant à Thaï d'avoir créé ces entraînements. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir les enfants des abus sexuels, protéger les enfants des abus sexuels. Et s'il vous plaît, envoyez votre énergie pour tous les enfants qui souffrent de notre incapacité à prendre soin de notre énergie sexuelle. Et les enfants qui sont esclaves et qui sont dont les images sont mises en ligne. C'est une grande cloche de pleine conscience pour nous tous. Donc, s'il vous plaît, réjouissez-vous de la méditation marchée et on va continuer la semaine prochaine on va continuer à regarder profondément les entraînements à pleine conscience.